Brahim Sassi, je voudrais que tu nous parles d'un grand chanteur aussi que tu as eu la chance de connaître, Youssef Djaoui. Ah, Youssef Youssef Djaoui, tu l'as Djaoui, rencontré plusieurs fois à Paris. absolument, absolument. Et Youssef Djaoui était un immense personnage. J'ai eu la chance, dans les années 90, début des années 90, d'assister, même fin des années 80, d'assister à certaines de ses soirées. C'était un talent extraordinaire. On dit de lui qu'il maîtrisait l'art du shabi à la Absolument. perfection. Il a fait l'école du Chaabi. C'était vraiment. Il a été formé par Sed Rajaoui. Donc, il avait un orchestre en Algérie. C'était un homme remarquable, très très bon musicien. Il maîtrisait C'était le. un militant nationaliste. Il a été dans l'orchestre du FLN aussi, Aussi, hein. aussi. Donc, c'était vraiment un homme remarquable. Et malheureusement, moi, ce que j'ai constaté dans ces années-là, c'est que bah, un grand monsieur comme ça, il était rarement invité dans les grandes festivités berbères. On le jalousait un petit peu, on avait un peu peur de son art, Bah, on oui, avait absolument. peur qu'il éclipse un peu les autres. Ça j'en suis persuadé. C'est Voilà. incroyable. C'est incroyable. Et c'était, bon, le fait qu'il appartenait peut-être à une autre région, parce que ceux qui étaient en vogue, ils étaient tous de la grande Kabylie, quoique Bah, de ce la haute terme Kabylie, n'est hein, pas la haute très Kabylie. intéressant, hein. C'est un terme colonialiste, hein. Absolument. Disons haute Kabylie et Voilà. basse Kabylie, Voilà. oui. Juste. Et lui, donc, de la basse Kabylie, et c'est vrai que les chanteurs de la basse Kabylie ont toujours été un peu Ben c'est dommage, il marginalisés par faudrait rapport à. que cette distinction s'arrête, hein. Bien sûr. Le pays Kabyle est immense, hein, Bien sûr. et on a tendance à croire qu'il n'y a que Vgaye et Tizi Ouzou, mais Eh oui. Sétif, Bordjbouaradj, une Ouais. partie de Jijel, Boumerdès, c'est la Kabylie Et j'aurais aussi, hein. tellement aimé le voir dans les grands spectacles. Je me souviens, il avait participé à un enregistrement de Mahtoub Lounès, où il a Oui, tout à fait, joué tout à à vieux fait, luth. tout à Et fait. quand Mahtoub a fait le Zénith, c'est le Zénith, oui. Oui, le Zénith, ouais. J'aurais tellement aimé, s'il l'avait Qu'il soit invité, invité, ça aurait été extraordinaire, oui, bien pour sûr. chanter une chanson ou deux, je vous assure, quand vous l'entendez chanter, c'était une pure merveille.